tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous et toutes très très bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui on va faire le bilan de cette première semaine du mois de juillet. Donc je vais voir avec vous comment ça s'est passé. Je suis relativement contente mais clairement, voilà, je sais que le mois de juillet avec les vacances et tout, bon ça va pas être le mois où je vais faire le plus d'économies. D'ailleurs l'année dernière, je vais regarder avec vous combien j'en avais fait d'économies au mois de juillet, mais c'était pas oufissime non plus. Au mois de juillet, bah vous voyez, j'avais même pas du tout fait les enveloppes parce que je savais que ça allait être une catastrophe. Donc voilà. Donc cette année, on fait, mais je ne garantis pas des économies de ouf. Donc, on va voir tout de suite dans mon petit porte-monnaie. Alors, pour commencer, alimentation, je n'ai plus rien du tout. Pharmacie, il me reste les 20 euros. Plaisir enfant, il me reste les 10 euros. Divers adultes, je n'ai plus rien du tout. Et au cas où, il me reste 15 euros. Donc ça, c'est cool. Ensuite, il me reste. Alors pourquoi j'ai pas fait donc alimentation, voilà, j'ai tout dépensé tout. Mais donc pharmacie, j'ai dit que il me restait l'intégralité. Plaisir enfant aussi. Divers adultes, j'ai utilisé le divers adultes pour acheter des babioles pour l'anniversaire de mon fils qui faisait avec ses copains. Donc, voilà à quoi ça a servi. Et au cas où, je ne sais plus pourquoi. Voilà. Donc, nous avons fait une économie. Et oui, j'ai aussi des petites pièces. Donc, 2 euros, 4 euros, 4,50 et 4,50, 60, 70, 80. Donc, nous avons fait une économie de 49 euros 80 cette semaine. Donc, c'est cool. Nous allons marquer ensemble. Alors, avant ça, je voulais vous dire aussi qu'en CB, j'ai la liste de ce que j'ai dépensé, des virements qui ont été passés et tout. Donc, j'ai dépensé en carte bancaire, ce qui a été viré aussi de mon compte, 217,21 €. Donc, j'ai mis 218 sur 270. Donc, ça, c'est cool aussi. Alimentation, eh ben, j'ai dépensé que 87 euros chez Leclerc. Enfin, en tout, parce que 81 Leclerc et 6 Carrefour. Donc, c'est bien aussi. Et donc, là, je vais marquer avec vous. Je vais prendre mon petit crayon. Donc, en billets, nous avons 45 euros. Je vais pencher un peu, sinon, je n'arriverai pas à écrire. 45 euros. Et en monnaie, nous avons dit 4,80 euros. Donc, c'est cool. Ce qui fait 49 euros. 80 centimes. Hop. Voilà. Donc ensuite, c'est pour le remplissage. Donc nous allons voir où on va mettre cet argent. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Les billets, eh ben, les 40 euros vont aller dans rentrée scolaire. Parce que vous savez, il faut à tout prix que j'avance. Là, c'est mort. Ça va arriver vite. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9, 07, plus 40. Et donc nous sommes donc à 400, 420. Oui, c'est ça. Donc franchement, wouhou! Il reste 30 euros! C'est trop cool! Et je pourrais clôturer mon enveloppe. Donc ça, c'est clairement chouette. Je pensais pas aller aussi vite. Mais tant mieux, hein, parce que voilà. Donc, je mets ça. Hop. Donc, voilà pour ce classeur-là. Donc, c'est cool. Franchement, je suis contente. Je suis toute seule à être contente, hein, mais je suis contente. Ensuite, les défilés 5 euros. Donc, j'ai un billet de 5 euros. Donc, go aussi. Il me reste plus que 2 billets. On part dans 2 semaines. Donc, Axel, comment te dire qu'il va falloir un peu se bouger. Sachant que je vais aller mettre sur mon compte avant de partir.
Clairement, il me reste plus du tout beaucoup de temps. Et il me reste 2 euros. Donc, c'est 2 billets de 5. Donc, voilà. Défi des jours fériés. Donc, je vous ai dit que j'ai mis. Par contre, hop, je vais barrer. Mince, j'avais acheté une petite gomme que je n'ai plus. Bon, c'est pas grave, je verrai après, mais j'ai les 20 euros à mettre là. Donc, les défis des petites monnaies. Les défis des petites monnaies. Donc, j'ai 2 pièces de 20 centimes. Donc, on barre. Voilà. Et j'ai 4 pièces de 10 centimes. Donc, une, deux, trois, quatre. Donc, sincèrement, je vais les enlever là, je pense bientôt, compter combien il y a. Et faire un billet parce que ben j'ai plus beaucoup de place, hein, vous pouvez voir. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir les échanger contre un billet. Voilà pour ça. Ensuite, il me reste 4 euros. Donc soit j'essaye de clôturer celui-là assez vite et c'est ce que je vais faire. Parce que là, comment vous dire que il est plus que temps que. J'aimerais bien le terminer assez vite, le défi Halloween. Donc je mets 4 euros dedans. Hop. Donc voilà. Donc on approche des 60 euros quand même dans cette enveloppe. Donc il me reste exactement 10, 20, 20, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il me reste 31 euros à mettre. La moitié quand même. Mais j'ai deux gros billets de 10 à mettre. Donc au pire, je mettrai 4 fois 5. Enfin, on verra. Enfin, 2 fois 5. On verra bien. Voilà pour ça. Du coup, on va maintenant remplir les petites enveloppes pour cette semaine. Donc, je vais faire ça les deux. Voilà, donc pour cette semaine, nous allons mettre, je vais les remettre dans l'ordre, mes enveloppes pour moi, ça va être beaucoup plus simple. En alimentation, donc, les 30 euros, voilà. Donc je vais marquer après hors caméra. En pharmacie, 20 euros. Je vais peut-être mettre dans les pochettes quand même. Hein. Je vais peut-être me donner cette peine-là. 30 euros dans alimentation. Donc voilà. 20 euros dans pharmacie. Voilà. Ensuite, plaisir enfant. Donc nous avons les 10 euros. Voilà. Divers adultes, les 20 euros. Voilà. Et au cas où, je vais prendre les 40 euros. Donc voilà les 40 euros. Restaurant, j'ai dit, je n'ai rien. Extra, je ne pense pas que j'aurai quelque chose, mais de toute façon, je vous tiendrai informé si c'est le cas. Extra, deuxième semaine, je sais pas, je vais devoir prendre un, mais je sais pas combien, donc je vous dirai au bilan de la fin de la semaine prochaine. Et anniversaire, pour l'instant, je ne mets rien. Et c'est l'anniversaire de qui mercredi? C'est le mien. Donc autant vous dire que je vais pas dépenser pour le mien, mais j'espère qu'on va le dépenser pour le mien. Bref. Donc voilà. Du coup, bah, pour cette semaine, je suis quand même relativement contente de mon bilan.
on va dire. Après, j'ai pas vraiment dépensé, j'avais trop rien à dépenser. Donc voilà. Donc je suis super contente. J'espère que vous, c'est pareil de votre côté. En attendant, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis bah à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!